Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, nous, ça va pas durer longtemps, vous en faites pas. Le but, c'est effectivement de pouvoir vous présenter concrètement comment on utilise l'IA, comment, au moins chez nous, chez Jamespot, comment on a mis l'IA au profit de notre plateforme et de nos usagers. Comme on l'a dit, nous aussi, quand on discute avec certains interlocuteurs, l'IA, c'est dans toutes les bouches. Par contre, comment est-ce que vous l'utilisez? On ne sait pas trop. Guidez-nous, dites-nous. Et il faut que ça puisse être pertinent et surtout il faut que ça puisse être utilisé par les différentes parties prenantes. Alors on est en train de se connecter, juste le temps de vous partager l'écran. Hop. Et pour meubler, on fête les Apollinaires aujourd'hui. Donc voilà, s'il y a des Apollinaires quelque part, bonne fête. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on essaie de mettre la plateforme Jamespot, donc c'est une plateforme démo. Ne faites pas trop attention au contenu. Hop. Attendez, excusez-moi, du coup, c'est le temps de. Je vais peut-être revenir. Voilà, je vais faire autrement. En fait, on a deux partages d'écran, donc. Je vais le désactiver, je vais revenir plutôt sur l'écran qui est ici, ce sera plus simple. Hop. Et on sera tout bon. En Et plus, c'est tactile. voilà, tactile, c'est parfait. Magnifique. Enfin, le Jamespot n'est pas tactile, mais mon écran est tactile. Pour vous présenter rapidement, donc moi je suis directeur commercial au sein de Jamespot et Antoine est responsable d'équipe au sein justement de l'équipe commerciale également. Donc en fait, ces sujets, on les a très régulièrement auprès de nos interlocuteurs parce que c'est le mot que tout le monde a à la bouche. Et en fait, on va avoir trois outils. On a décliné l'IA sur trois, on va dire, usages différents. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on va vouloir s'appuyer. Alors, on va rester assez haut niveau, c'est-à-dire on ne va pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions techniques, etc., on vous encourage pour nos clients à vous rapprocher de votre CSM, de votre responsable commercial. Et pour les autres, vous pouvez prendre contact directement sur notre site internet, par exemple, pour réserver une démo ou même sur le chat, vous aurez Alexandre qui va pouvoir vous guider. Vous voyez donc une démo, un espace démo d'une plateforme type Jamespot. Le premier usage, c'est celui de la baguette magique. La baguette magique, c'est peut-être l'un des usages les plus simples, mais finalement qui est assez important parce que ça va vous permettre de restructurer un texte. Et tout ça au sein même de notre plateforme. Ah, donc là, on arrive sur un article. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, si vous voulez à un moment donné, faire la veille sur des sujets, si vous voulez justement résumer, développer justement des contenus, vous allez par exemple aller sur le web, juste ici. Alors attendez, excusez-moi si je. Voilà, hop. Donc vous tapez par exemple Jamespot. Voilà, on va dans l'actualité, tout simplement. Ah, excusez-moi si là. Je suis obligé de tourner un peu la tête, voilà, pour voir l'écran. Hop, Jamespot. C'est parfait. Donc là, on parle de l'avenir des solutions collaboratives. C'est très bien. On veut justement le repartager pour la veille directement en interne. Ah, bah, merci. Magnifique. Donc on va pouvoir sélectionner par exemple ce contenu qui est juste ici. Donc voilà, je vais reprendre directement les éléments. C'est parfait. On va faire un copier-coller. On va aller directement sur un article Jamespot. Et à partir de là, on va remettre les éléments. L'idée ensuite, c'est qu'on a la petite baguette magique, si je remonte un petit peu juste au-dessus, qui va me permettre, voilà, on la trouve très facilement, qui va me permettre de faire différentes choses. Donc en fait, si je veux par exemple résumer ce contenu pour avoir quelque chose de plus condensé directement pour mes équipes, je vais cliquer directement sur ce petit bouton. Et en fait, la machine va se mettre en route très facilement, l'IA. Et à partir de là, plutôt que justement de passer une demi-heure à reprendre les éléments clés justement du contenu, l'IA va travailler de manière intelligente et va me proposer un résumé pertinent directement du contenu. Là, ça charge un peu, mais c'est plus rapide, forcément. Voilà, là c'est la connexion aussi qui est un petit peu lente. Concrètement, en fait, ça va pouvoir résumer des articles. Ça, l'usage, c'est on nous balance des infos toute la journée. Je sais pas pour vous, nous, sur de la veille, par exemple, il y a des infos, on clique, on nous partage le lien de l'article et c'est à nous ensuite de faire notre propre interprétation. Là, ça va pouvoir justement permettre de gagner du temps. Il y a un autre usage aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la grammaire, l'orthographe. Tout le monde n'est pas un Voltaire ou autre pour écrire des textes. Et quand vous demandez à votre réseau, vos collaborateurs de s'exprimer, il peut y avoir aussi des frontières. Un exemple, on a un outil au sein de Jamespot qui vous permet justement de faire remonter de l'information, de l'idée par exemple, des idées au niveau du terrain pour choisir justement quels sont les projets qu'on peut lancer en 2025.
Et on a eu un de nos clients qui disait, bah, nous, on va l'ouvrir à tout le monde. Par contre, voilà, on sait que tout le monde n'a pas un niveau d'orthographe irréprochable. Et ça pourrait aider justement certains utilisateurs à mieux structurer leurs pensées. Ils écrivent un texte, ils demandent à la plateforme Agile de le structurer, de le synthétiser, et on arrive sur quelque chose de beaucoup plus acceptable. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple d'usage, ça va être sur un bot que nous, on a appelé JamesBot, et qui est directement ici accessible dans le Messenger, donc dans la conversation un peu chat. Ce bot, il est très généraliste, il est ouvert à tout Internet. Vous leur demandez, vous lui demandez ce que vous voulez, il va aller chercher... il va aller chercher l'information. Et donc, au lieu de sortir de votre écosystème JamesBot ou applicatif, vous allez rester. Ça a deux vertus. Un, vous maîtrisez où vont vos collaborateurs en termes de site. Et deux, ça participe aussi à l'usage des plateformes. Un gros sujet, c'est comment est-ce que nos utilisateurs viennent régulièrement sur les plateformes, comment ils se nourrissent de l'information institutionnelle qui est aussi partagée par nos clients. Eh bien, si vous leur mettez des outils directement dans cette plateforme, ça leur permet aussi de ne pas naviguer sur 36 000 outils et d'avoir ça. Et donc là, on a demandé quels sont les jours fériés, les noms des jours fériés. Voilà, il est en train de nous le chercher. On a l'armistice, c'était un vendredi 29 novembre de 1918, etc. Jusque-là, je pense que vous avez déjà vu ces outils par ailleurs. La vraie force, nous, c'est de le ramener au sein d'une application qui est celle de JamesBot et de la mettre et de l'offrir, de la proposer à tout le monde. Le troisième outil, qui est Mr. Smith, qui est un outil donc qui a été racheté fin premier semestre par JamesBot, lui, c'est complètement, enfin, c'est pas complètement différent, c'est un parti pris qui est qu'il y a des IA généralistes qui vont aller chercher de l'info partout sur Internet. Sauf que vous ne maîtrisez pas cette information-là. Beaucoup de nos interlocuteurs nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas envie qu'ils me racontent n'importe quoi. Quand je lui pose une question de métier, je n'ai pas envie qu'ils me disent le taux de disponibilité d'une plateforme, quel est le taux de disponibilité de la plateforme de Microsoft quand je suis JamesBot. » Et donc, Mr. Smith a comme force d'aller chercher l'information au sein des documents que vous lui avez transmis. Donc, c'est du document PDF, etc., du texte. Ça peut être des liens ou des sites web, il va aller chercher l'information sur des sites web, mais ça peut aussi être des vidéos. Et donc là, l'usage, il est non pas infini, mais il est beaucoup plus spécifique. Si avec JamesBot, vous avez du généraliste, ici, vous avez un expert et un spécialiste. Il ne doit pas se tromper. Quand vous posez des questions type taux de disponibilité de la plateforme JamesBot, il va vous donner l'information que vous lui avez donnée. Si sur un site web, par ailleurs, c'est faux, eh ben, il n'ira pas chercher cette information. Donc, on peut se féliciter des 99,5%. Si elle doit changer, vous la mettez à jour. L'avantage aussi d'un Mr. Smith, comme c'est le cas où vous maîtrisez, en fait, vous l'éduquez, c'est que vous pouvez avoir plusieurs Mr. Smith. Comme ce qui a été dit précédemment, c'est l'erreur, c'est de balancer 1 million de documents et ça va piétiner, il ne va pas savoir où aller chercher. Vous créez un Mr. Smith RH, vous créez un Mr. Smith commercial, vous créez un Mr. Smith produit tech, etc. Chacun va avoir la maîtrise de l'information qu'il va vouloir donner. Et donc, à partir de là, en fonction de votre navigation, de là où vous allez être sur le site, sur votre plateforme, vous allez avoir une réponse qui est associée au contenu, en tout cas associée au thème sur lequel vous êtes. Et ça, c'est des demandes que nous, on voit de plus en plus. C'est des demandes d'usage qui sont extrêmement fortes. On a un client qui me dit, bah, moi, j'aimerais bien que mes commerciaux qui ont des tablettes, etc., quand ils sont en vente, ils puissent avoir l'information directe sur... quelles sont les fonctionnalités de ce produit, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne fait pas ça. On a des avocats ou de parties juristes qui nous disent, bah, nous, on veut avoir aussi des réponses rapides sur ce genre de sujet. Bref, il y a plein de cas d'usage et à chaque fois, c'est par contre, on ne veut pas une information fausse, on veut être 100% certain que l'information est juste. Donc ça, c'est un point particulièrement important. Là, on le voit au sein de l'interface JamesBot. Par contre, Mr. Smith, il peut être aussi dans une bulle, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le mettre sur votre site internet. Et donc, dans ce cas, quand vous avez des utilisateurs qui viennent se renseigner sur vos produits ou les collectivités, les heures d'ouverture, les démarches administratives, etc., ils peuvent être renseignés, ils peuvent, Mr. Smith peut faire gagner du temps et surtout, ça a une information qui sera juste vérifiée et que vous ne maîtrisez pas. Donc, voici grosso modo les trois types d'usage de l'IA au sein de l'intranet et du collaboratif. On a décidé, donc,
pour rappel, un, comment est-ce qu'on améliore des textes, on les résume et qu'on redonne un peu de pouvoir éditorial à ceux qui sont peut-être un peu plus faibles là-dessus. J'utilise aussi, hein, donc je suis aussi faible là-dessus. Deuxièmement, c'est le James Bot, c'est comment est-ce que j'ai un assistant qui est ouvert sur tout Internet et qui peut me répondre à toutes les questions possibles, et je l'intègre dans mon interface, comme ça, je fais aussi venir les gens et je les fais rester. Le jeu de la rétention est aussi très importante sur ce genre d'outil. Et enfin, on a un outil expert que vous avez nourri, votre petit enfant que vous avez élevé, que vous avez éduqué, etc., et qui ne doit dire que ce que vous voulez qu'il dise. On peut très bien s'attendre, à moins qu'il ne sait pas, qu'il sache et qu'il puisse dire « je ne sais pas » plutôt que dire des bêtises. Voilà aujourd'hui, en tout cas, les trois gros cas d'usage qu'on applique. Alors, l'IA en est qu'aux prémices de cette révolution. Forcément, de nouveaux usages vont naître. Mais en tout cas, c'est les plus importants et les plus demandés, nous, de notre côté. Voilà. Donc, comme on est un peu serré sur le temps, on ne va pas forcément prendre des questions maintenant. Mais par contre, on est ravis d'avoir les échanges avec vous. Donc, le plus simple, c'est notre site web. Vous pouvez aller sur demande de démo où vous avez une petite bulle en bas et vous avez un chat et on va pouvoir vous répondre pour planifier un échange. Sinon, pour nos clients, vous avez vos interlocuteurs classiques. Voilà. Partez pas, il y a Benoît qui prend la suite. Donc, on continue là-dessus. Et puis, merci de nous avoir écoutés. On espère que les usages sont un peu plus clairs pour vous. Merci à tous. Merci bien.